Registre du bureau de la gravure et de la pression, Noël Hoefner n'a jamais mis les pieds dans leurs locaux. Et nous n'avons pu établir aucun lien avec les employés. Donc comment il l'a eu, ce billet ? Hé, les amis ! Regardez sur qui je suis tombée dans le hall. Papa ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ziva, oh, je veux que vous me serriez dans vos bras. Voilà. Je pensais que tu demanderais au taxi de t'emmener directement à l'hôtel. Ah non, oublie l'hôtel. Je suis venu passer Noël avec toi. Gibbs ? Content de vous revoir. Le plaisir est partagé. Joyeuse fête de Noël, monsieur Dinozzo. Je vous remercie, Tim, vous aussi. Il y a un truc qui m'échappe, là. Où est-ce que tu vas loger ? Tu vas m'héberger. Tu rigoles ou quoi ? Non, je peux pas t'accueillir chez moi, il n'y a pas assez de place. Ah, tu ne vas pas me faire croire que ton appartement est trop petit, c'est grand chez lui, non ? À vrai dire, j'en sais rien, j'ai jamais été invitée. C'est vrai ça, Junior ? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Vous allez fêter Noël tous les deux, alors ça, c'est trop chouette. Non, pas du tout. Enfin, si, bien sûr, mais ce sera pas chez... Parce qu'on est... En fait, je t'explique, c'est un deux pièces, mon appartement, et je t'assure, c'est vraiment tout petit, une cage à lapin, tu vois. Mais je vais appeler la dame Sauce, et je vais te réserver une jolie petite suite. C'est moi qui t'invite. Ah non, je veux pas en entendre parler. Je dormirai sur le divan, s'il le faut. T'as sûrement un divan chez toi. Fais un effort, Denis. D'accord, très bien, on fait comme ça. Du coup, vous allez pouvoir venir à notre soirée de Noël. Une soirée de Noël ? Tony a lancé cette tradition. Chaque Noël, on regarde La vie est belle tous ensemble. Ah, mais si vous me dites que vous serez là, il n'est pas question que je rate ça. Junior. Papa.